suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais je suis venu dans ce monde pour faire chanter la loi. Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de fête de Saint Barnabé. Apôtres, fils et filles du bon Dieu, les textes liturgiques, Actes des Apôtres, le chapitre 11, versets 21b à 26, puis 13, 1 à 3, le psaume 4, et l'évangile, c'est Matthieu, le chapitre 5, versets 13 à 26, fils et filles du bon Dieu. Le titre d'apôtre ne signifie pas que Joseph, surnommé Barnabé, c'est-à-dire fils d'encouragement, fils et filles du bon Dieu, et était l'un des 12, mais qu'il joua un rôle capital dans la diffusion de l'évangile. En entrant dans la communauté chrétienne, cet homme de foi a mis tous ses biens à la disposition des apôtres. Dans la lumière de l'esprit, il comprend que les païens peuvent entrer dans l'église sans aucune condition que de croire en Jésus. Cette vérité oriente son action missionnaire à Antioche et, à cette action, il associe Paul, dont il sera le compagnon au cours du premier voyage apostolique de celui-ci. Fils et fille du bon Dieu, Barnabé est ainsi celui qui a discerné la vocation de Paul et en a favorisé la réalisation. Ce n'est pas sans moindre mérite. D'après une tradition, il serait mort martyr à Chypre, son pays d'origine, fils et fille du bon Dieu. Dans les Actes des Apôtres, aujourd'hui, il est question de la mission de Barnabé. Oui, responsable de l'église d'Antioche, de la communauté d'Antioche, Barnabé aurait pu s'y installer, mais il reste docile à la volonté de Dieu. Nous également, dans le quotidien de notre vie, soyons dociles à la volonté de Dieu. Et être docile à la volonté de Dieu, c'est faire partie de sa famille, fils et fille du bon Dieu. Oui, il reste docile à la volonté de Dieu, Barnabé, qui l'avait mis à part pour être le compagnon de Paul dans ses premières missions, fils et fille du bon Dieu. Et le texte nous dit un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit, fils et filles du bon Dieu, la prière, le jeûne, c'est là où nous sommes dociles à l'action de Dieu et Dieu nous donne sa parole. Dieu dit, l'Esprit Saint leur dit, détachez pour moi Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après leur avoir jeûné, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir en mission. Fils et filles du bon Dieu, nous également, c'est à travers le jeûne, la prière, que le Seigneur nous comblera. Notre effort, c'est cela, dans notre relation avec le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, la mission du chrétien dans le monde. Pour être disciple du Christ, il ne suffit pas de le connaître ou de l'écouter. Il faut le faire connaître en vivant d'une façon qui révèle au monde la saveur et la lumière de l'évangile. Ça se dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est bon. Sans sel, c'est fade, sans goût. Le chrétien doit être ce sel, c'est-à-dire il faut être bon pour les autres. Jésus vient de camper devant nos yeux le type d'homme qu'il souhaite, celui des béatitudes. Un homme heureux, être pauvre, doux, miséricordieux, pur, persécuté, artisan de paix. Oui, c'est un type d'homme de très haute exigence et perfection. Oui, si vous êtes bien ainsi, si vous êtes ainsi, continue. Jésus, alors vous êtes le sel de la terre. Puisque tu vis en fonction des béatitudes, tu deviens sel de la terre. Alors vous serez maintenant la force savoureuse de cette humanité qui reste constamment à s'affadir dans la banalité. Des gens qui ont orienté toute leur vie vers le royaume de Dieu,
Voilà ce qui sauve l'humanité. Des gens qui jubilent dans les persécutions. Voilà une force irremplaçable, irréversible au sein de l'humanité. Fils et filles du bon Dieu, le sel donne du goût autour de lui. Nous également chrétiens, donnons du goût d'être chrétiens. La joie d'être chrétien, nous avons le bonheur, fils et filles du bon Dieu. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Responsabilité des disciples de Jésus, donner du goût au monde. Oui, il y a ici une mise en garde. La vocation peut s'affaiblir, perdre sa vigueur. L'appel de Dieu en nous peut se perdre dans l'affadissement. Oui, après un temps de générosité et de virulence, la foi peut sombrer. Nous sommes avertis, fils et filles du bon Dieu. Tant bien des chrétiens, nous voyons qu'ils ne viennent plus à l'église parce qu'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'attachement. Mais le Seigneur te demande de te remettre, en cause, de revenir vers lui, parce que deviens sel, fils et filles du bon Dieu. Alors, nous ne servons plus à rien. Un chrétien bon à rien, c'est celui qui a perdu sa saveur de Dieu. Il sera jeté dehors, comme l'invité au festin qui n'a pas sa robe de noces, Matthieu 22, 12. Comme le mauvais serviteur qui a enfoui son talon, Matthieu 25, 30. L'évangile, c'est du sel. Certains chrétiens en ont fait du sucre. On est là pour ruiner les autres. Non, sois sel. Vous êtes la lumière du monde. Deuxième parabole qui a le même sens que la première. Oui, en plus grand. Être lumière, soleil du monde. Sans lui, il n'y a nulle couleur, nulle beauté, nulle activité vitale. Celle de la terre, lumière du monde, fils et filles du bon Dieu. Jésus voit grand. Il propose à ses disciples, en chacun de nous, une perspective vaste comme le monde, comme nos vues à nous, sans étriquer à côté de cela. Ces gens rapportent une parole équivalente de Jésus. Je suis la lumière du monde. Les disciples ne sont lumière que par reflet, dans la mesure où ils sont transparents, pénétrés de la lumière de Jésus. Fils et filles du bon Dieu, les disciples, l'homme des béatitudes est un homme rayonnant. Dieu veut que tu puisses rayonner dans ta vie. Voilà pourquoi sois sel de la terre. C'est-à-dire d'abord, vivre selon les béatitudes. Les béatitudes qui sont des secrets, des éléments dans notre vie où nous devons examiner notre élévation spirituelle. Où nous devons examiner, faire notre évaluation spirituelle, fils et filles du bon Dieu, afin de devenir sel de la terre et lumière du monde. Au lieu d'être lumière pour les autres, tu es devenu ténèbre pour les autres. C'est-à-dire c'est toi qui emmènes les autres vers le mauvais chemin. Parfois, quelqu'un qui a fait sa confession, il vient à l'église, il vient dans la communauté. C'est dans la communauté encore où les péchés se multiplient parce qu'il y a des ténèbres. Il y a des gens qui vivent dans des ténèbres. Fils et filles du bon Dieu, non, ce n'est pas bon. Sois chrétien, c'est-à-dire chrétien, lumière du monde, celle de la terre dans ta vie. Oui, ce que le monde attend des disciples de nous. Les disciples de Jésus, ce sont des actes. La lumière dont parle Jésus, c'est une vie. Ce que vous faites de bien, et tout cela, comme d'habitude, pour Dieu, pour la gloire du Père. Fils et filles du bon Dieu, sois sel et lumière du monde, sois sel de la terre, lumière du monde dans le quotidien de ta vie. Essaie d'examiner ta vie en se disant, est-ce que je suis véritablement sel? Est-ce que je donne du goût aux autres lorsque je suis là autour des autres? Ou bien je suis là comme ténèbres en train de gaspiller les autres, en train de congrosser les autres? Ou est-ce que je suis, au lieu de faire de l'évangile sel, c'est devenu du sucre? En effet, l'évangile c'est devenu un business pour gagner de l'argent? Non, fils et filles du bon Dieu, soyons des sels et lumières à travers notre monde d'aujourd'hui. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Jean de grâce et de bénédiction, n'oublions pas qui paie
Yayo et Tokos, dans tout un chacun de vous, merci Seigneur. Par ta vie tu es un apôtre, celle de la terre et lumière. Aimez-vous les uns les autres, les enfants d'un même père.